je trouve que les espaces intérieurs sont assez magiques. C'est très lumineux, c'est assez chaleureux. Et puis, les architectures des conservatoires et de la médiathèque sont très belles. Il y a certaines personnes qui émettent des critiques quant à l'architecture un peu lourde ou la couleur jaunâtre. Vous, ça vous dérange pas ? Moi, je l'avais vu la canopée de l'extérieur, j'étais dubitative parce que c'est vrai que je l'avais vu des cafés environnants et c'est vrai que voilà, ça ne rendait pas la beauté de l'intérieur. Je pense qu'elle est beaucoup plus belle vue de l'intérieur et je trouve qu'à l'intérieur, le fait d'avoir ouvert ce Forum des Halles, qui était un peu une grotte, qui était quand même vraiment sombre, je trouve que ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir cette architecture beaucoup plus aérée et beaucoup plus lumineuse. Voilà, on a ouvert en réalité le Forum et ça, je pense que c'était une très bonne décision. Alors c'est vrai que de l'extérieur, enfin du haut, c'est beaucoup moins beau que de l'intérieur, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui et je pense que tous ceux qui en profiteront, qui profiteront du nouveau Forum des Halles, seront très heureux d'y vivre. On avait l'image d'un Forum des Halles qui était plutôt enclavé, plutôt souterrain et peu connecté à nos Parisiens, beaucoup connecté avec les Franciliens via les métros RER. Demain, la connexion avec tout le plateau piétonnier, puisqu'on on s'est reconnecté sur les trois rues avoisinantes, mais aussi la reconnexion avec les nouvelles entrées métro RER, on passe de 2 entrées à 5 entrées, permet de mieux fluidifier. Deuxièmement, cette canopée permet d'amener beaucoup plus de lumière à l'intérieur du Forum des Halles et permet aussi au centre de ressortir via notamment les 17 commerces que vous voyez autour de vous, dont le flagship de Lego par exemple, qui sera au-delà d'un magasin, un vrai lieu d'expérience. Vous allez pouvoir aller le visiter avec des grands monuments de Paris par exemple en taille géante, comme le magasin L'Exception qui est un vrai magasin qui a commencé sur le e-commerce et qui est un espace d'espace créateur. Vous verrez chaque mois des nouveaux créateurs de mode qui viendront exposer sur l'Exception. Ce qui est important au Forum des Halles, c'est de comprendre qu'au-delà des commerces, vous avez un vrai mélange entre les équipements publics, ça a été rappelé, les commerces, mais aussi tout un lieu de culture que sera aussi cette place. Le Forum des Halles, on en a la conviction, doit retrouver ce côté agora qui était un vrai lieu de rassemblement.